I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to live. I went to sleep and I woke up dead. Waouh, tout le monde, c'est Risto, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Je vais vous montrer ce que vous allez voir dans quelques instants. C'est vrai, j'ai pris un paquet de mouchoirs, il a fallu que... Intéressant parce que la dernière fois je vous avais parlé du mode Redux. Bien sûr le mode très connu qui permet de rechanger plein de choses et tout. On va voir après plus en détail qu'est-ce qui change exactement là-dessus. Mais voilà, on s'attend aussi, c'est vrai que dans ce Grand Vert Photo 6, eh bien de texture et ça va être d'une chose un peu... plus joli, on va dire ça comme ça, sur ce jeu là et puis certainement aussi ce mode Redux nous fascine parce que il nous fait un peu peut-être une démonstration et bien sur ce futur jeu là. Je vous ai parlé du moteur physique, du moteur graphique aussi, et je vais vous montrer sur l'écran là maintenant et bien un gameplay qui dure environ 10 minutes qui sera dans la description. Si vous voulez aller checker tout ce gameplay au complet, eh bien allez-y, je vous conseille très fortement. Beaucoup de youtubeurs anglais en ont parlé de ce gameplay là parce que comme on peut voir sur le titre aussi de ce gameplay là, il fait référence un peu entre guillemets au graphisme de ce futur GTA là, en reprenant le mode Redux et en utilisant aussi des véhicules, attention avec des marques, et sachant qu'il n'y aura pas de marque dans la série GTA parce que c'est trop de problèmes, j'en avais parlé, je risque d'en reparler aussi eh bien dans l'avenir. Donc c'est parti, let's go. Et avec ce magnifique gameplay, moi je l'ai vu les 10 minutes et tout, c'est juste super joli. Au passage, je vous conseille vraiment de le mettre aussi en 1080p 60fps parce que le mode Redux, on le déguste de cette façon là où on met vraiment la plus haute définition possible et les images par seconde aussi le plus élevé possible. Avec voilà, comme on peut voir, des textures, tout a été rechangé, tout a été modifié, que ce soit même l'eau où on voit le reflet de l'eau qui est vachement plus travaillé, les nuages aussi ça a été beaucoup plus travaillé, on peut voir un peu plus de relief, même là aussi en termes de profondeur et tout c'est beaucoup plus joli, les véhicules aussi sont beaucoup plus travaillés. Donc là c'est vrai que bon, c'est des modes aussi qui ont été incrustés, donc forcément on met certains véhicules qui sont modés, qui sont très bien modés, même aussi à l'intérieur, la customisation et tout. Donc là par exemple on passe aussi sur ce véhicule là, et c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est la pluie et le noir. Il y avait d'ailleurs le youtubeur Aikiliu qui avait parlé de ça, le côté noir, il avait donné son avis et moi je suis totalement d'accord avec lui, c'est à dire le fait que lorsque il fait nuit, c'est vrai que bah, dans une vraie ville il fait très sombre, et que dans GTA 5 par exemple, quand il fait nuit on sent pas vraiment ce côté là où il fait très sombre et tout, il y a toujours un peu de lumière et à la fois c'est un peu dommage aussi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore vraiment. Regardez moi comment c'est beau, comment c'est joli, l'effet de l'eau en fait, voilà, c'est les reflets, le véhicule aussi, les gouttes qui tombent et tout, tu sais, ça fait des petits impacts aussi un peu sur l'écran rapidement, c'est juste magnifique. Les couleurs, par exemple on passe sur la moto où on peut voir aussi la petite, quand on met un peu de vitesse, quand on passe à côté des véhicules, bon là moi, pour moi il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Éventuellement même plus travailler les rétros comme on peut voir aussi un peu rapidement sur les côtés, où c'est un peu pixelisé, mais il y a vraiment des tas de choses qu'ils peuvent faire et certainement ce qu'ils vont faire. Alors voilà, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, c'est une petite vidéo pour vous, pour vous montrer en tout cas ce gameplay là, n'hésitez pas à regarder dans la description, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out les gens.